Bonsoir, bienvenue à Découverte. L'une des régions les plus affectées par le réchauffement climatique est le Grand Nord. L'été dernier, la banquise arctique s'est rétrécie comme peau de chagrin, battant tous les records. Cette grande fonte attire les industries, parce que l'Arctique regorge de matières premières et devient accessible comme jamais auparavant. Quelles seront les conséquences de ces transformations profondes qui ne feront que s'accentuer avec le temps? C'est ce que nous examinons ce soir. Churchill, ce village de 1500 habitants situé sur la baie d'Hudson au Manitoba est la capitale mondiale des ours polaires. Chaque année, des milliers de touristes y viennent pour voir ce superbe animal. À l'automne, près de 1000 ours polaires se rassemblent dans la région pour attendre que la banquise se forme. C'est là où se reproduisent les phoques, leur nourriture de prédilection. Mais le froid arrive de plus en plus tard. Certains ours affamés meurent avant que la baie ne gèle. En 20 ans, leur population a diminué de 20%. Avec le réchauffement climatique, les ours polaires de la baie d'Hudson font partie des perdants. Mais ce n'est pas la seule espèce qui subit un coup de chaleur. Le même phénomène se produit partout dans le Grand Nord canadien, un archipel de plus d'un million de kilomètres carrés. Ici, 1 ou 2 degrés de plus suffisent pour provoquer un bouleversement majeur. Les espèces animales, bien adaptées à cet environnement hostile, ont peine à survivre quand les changements sont trop brusques. Et bientôt, l'Arctique subira une autre transformation, plus radicale encore. L'industrialisation massive. Mines à ciel ouvert. Forages pétroliers. Exploitation du gaz naturel. Ces infrastructures majeures ajouteront à l'impact déjà causé par le réchauffement. Avec le développement de l'industrie, de la navigation, de l'exploitation des minéraux, l'exploitation du pétrole, etc., on va voir nécessairement un clash, c'est-à-dire une confrontation entre le monde naturel, c'est-à-dire l'écosystème qui existait là, et les activités humaines. Cette confrontation a déjà commencé. Voilà pourquoi nous sommes ici. Ces minerais exceptionnels. C'est du fer. Du fer pur à 68%. Mary River, à l'extrême nord de l'île de Baffin, en regorge. Dans les années 70, Gordon McCrary avait fait de ce méga-gisement, estimé à 865 millions de tonnes, le sujet de sa maîtrise en géologie. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les mines d'or. Et ceci est bien plus précieux que de l'or. Mais parce qu'il est très isolé, l'accès au site de Mary River est un vrai casse-tête. Ici, pas de route, pas de chemin de fer et pas de port en eau profonde. Tout est encore à construire. Il faut investir des milliards dans ce type de projet. Plus d'un milliard et demi de dollars canadiens pour celui-ci. En 2010, Baffinland est racheté par la multinationale ArcelorMittal, le plus grand producteur d'acier au monde, qui voit l'énorme potentiel de la mine. Production anticipée, 18 millions de tonnes de fer par année, plus de la moitié de la production canadienne. Et une réserve suffisante pour faire travailler des générations de mineurs dans une région où le taux de chômage dépasse les 25%. Le chômage est la grande préoccupation des communautés arctiques. Voilà pourquoi David Kamanick, l'ancien maire de Pendant, voit d'un bon œil l'arrivée de la mine. J'espère que la mine va ouvrir.
et offrir des emplois dans notre région qui a tant de chômage, surtout avec le prix élevé de la nourriture dans le Nord. Tout est tellement cher ici. Il faut avoir un bon emploi pour faire vivre sa famille, à moins d'aller à la chasse à plein temps. Mais les aînés de Pond Inlet craignent que la mine fasse fuir les caribous et que les jeunes, en travaillant pour un salaire, abandonnent la chasse. Ce dilemme entre la culture inuite, le développement économique et la protection de l'environnement ne concerne pas que les habitants de Pond Inlet. C'est un défi avec lequel toutes les communautés arctiques devront composer dans le futur. Car il existe partout d'immenses gisements de minéraux et de métaux précieux. Fer, nickel, zinc, plomb, or, diamant. Actuellement, il y a 8 mines en exploitation dans le Grand Nord canadien. Mais on compte 25 projets plus ou moins avancés sur tout le territoire, avec à la clé des milliards de dollars en investissement. Et ce n'est que le début. Hélas, partout où elle s'est installée par le passé, l'industrie minière a laissé une marque indélébile sur l'environnement. Village désert, équipement abandonné sur place, montagne de déchets. Au début des projets, presque tout arrive par avion. Quand les activités cessent, personne ne veut payer le transport de retour. Sur les sites d'exploitation, de larges quantités de résidus contenant des BPC, des métaux lourds et de l'arsenic. La mine Giant, dans les territoires du Nord-Ouest, est l'exemple le plus connu. En 1999, après 50 ans d'exploitation, où elle a extrait 7 millions d'onces d'or, la compagnie s'est retirée, en laissant derrière elle plus de 230 000 tonnes métriques de poussière d'arsenic, à tout juste 5 km de la capitale, Yellowknife. David Schindler, spécialiste de la qualité de l'eau, a étudié en détail le cas de cette mine abandonnée. L'industrie des mines est hors de contrôle dans ce pays. À la mine d'or, ils ont enterré l'arsenic. Les ingénieurs ont dit il y a 20 ans que le pergélisol allait le contenir sous la terre. Mais là, le pergélisol fond et il se répand. Aujourd'hui, c'est à Ottawa que revient la tâche de décontaminer le site de la mine d'or. La facture pour les contribuables, 400 millions de dollars. Le danger est réel, car la poussière contenant l'arsenic est hautement toxique et pourrait contaminer tout le réseau hydrographique de la région. Et des mines abandonnées, comme celle de Giant, il y en a plusieurs dans le Grand Nord canadien.